Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. La façon dont on adore le Seigneur démontre l'intérêt qu'on a pour lui, la passion qu'on a pour lui. Ça démontre également la confiance qu'on peut avoir en notre Dieu. Et si vous êtes ici aujourd'hui en train d'écouter cette émission, ça veut dire que certainement vous désirez grandir dans votre adoration vis-à-vis du Seigneur, vous désirez l'aimer encore plus, vous désirez aller tout simplement plus loin dans sa présence. Et ça tombe bien parce que c'est lui qui a dit dans Ésaïe 43 au verset 21 que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Mais qui est ce peuple dont l'Éternel s'est formé? Lorsqu'on regarde à ce passage biblique, on voit que c'est un peuple qu'il a délivré de ses ennemis, c'est un peuple qu'il a racheté, qu'il a sauvé comme vous et moi aujourd'hui. C'est un peuple dont il est le roi, il est le Seigneur, c'est un peuple pour qui il fait des choses nouvelles, c'est un peuple pour qui il ferait le chemin dans le désert, c'est un peuple qui, à cause de la force de Dieu, à cause de l'intervention de Dieu, il peut avoir confiance en Dieu. C'est ce peuple-là qui publiera les louanges du Seigneur. Et lorsqu'on parle d'un instrument d'adoration, on parle de quoi en fait? Ça veut dire que de ta vie doit pouvoir sortir une mélodie qui fait la gloire de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on regarde à tes paroles, lorsqu'on regarde à ton cœur, lorsqu'on regarde à ta marche avec Dieu, on regarde à ton obéissance, on peut pouvoir dire « Waouh, cette personne est une personne qui honore le Seigneur ». Ça doit venir de ton cœur, bien entendu, ça ne doit pas juste se faire à la surface, ça doit venir de ton cœur, mais alors que tu choisis d'être cet instrument d'adoration pour Dieu, mais tu vas voir que Dieu va faire de grandes choses avec toi. Et lorsqu'on parle d'instrument aussi, un instrument est manœuvré par une personne. Il n'y a aucune mélodie qui sort d'un instrument tout seul. Il faut que cet instrument soit manœuvré par quelqu'un. Donc, on doit aussi faire assez confiance à Dieu pour ne pas prendre nous-mêmes les rênes de nos vies, mais vraiment pour le laisser faire. Vous entendez le beau son du piano joué par Gordon. Le piano, c'est un instrument et il est là, il manœuvre derrière et on voit qu'il y a une belle mélodie qui sort. On doit pouvoir être ce type de personne que le Seigneur peut piloter. Le Seigneur peut nous amener là où il veut, il peut nous diriger, il peut véritablement être ce roi de notre vie, de sorte que nos vies lui rendent un bon témoignage. Dans 2 Timothée 2, au verset 20 à 22, la Bible nous dit, c'est Paul qui parle à Timothée, il dit « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Dont les choses dont il faut s'abstenir, c'est le péché entre autres. C'est des choses qu'il a listées tout au long de ce chapitre-là. Et il précise en lui disant, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Donc, pour être un vase d'honneur, et quand on dit vase d'honneur aussi, c'est aussi un instrument d'adoration, il y a une posture qu'on doit pouvoir avoir devant le Seigneur. On doit s'abstenir de certaines choses, on doit être sanctifié. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que sincèrement, quand on a une conscience pure, c'est tellement plus facile d'avoir confiance en Dieu et d'avoir confiance en nous-mêmes. Parce qu'en fait, tu ne vas plus te demander, est-ce que c'est le péché que j'ai commis qui est une porte ouverte à Satan? Est-ce que c'est ça qui bloque ma vie? Est-ce que c'est ça qui est en train de me créer ce problème que j'ai aujourd'hui? Bien entendu, personne n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits, nous-mêmes qui sommes ici dans ce studio. Mais c'est le fait de vouloir toujours plaire à Dieu, de faire les choses qui plaisent au cœur de Dieu. Et quand tu réalises que tu n'as pas fait quelque chose qui plaît au cœur de Dieu, c'est aussi le fait de te relever et de dire, Seigneur, je ne veux plus vivre cette chose. Je veux faire la guerre à cette chose. Je refuse d'entretenir dans ma vie quelque chose, Seigneur, qui t'éloigne de moi. On veut être des vases pour notre Dieu. Et comme je disais, quand tu sais que ce n'est pas un péché qui te retient, mais c'est plus facile d'avoir un cœur libre. C'est plus facile de te dire, ah mais tiens, mais si je n'ai pas ouvert une porte à l'ennemi, alors c'est normal que je puisse me tenir devant un péché. C'est normal que je puisse me tenir avec autorité contre les œuvres des ténèbres. Mais par contre, si c'est moi-même qui ouvre des portes dans ma vie à l'ennemi, c'est aussi normal que
lorsqu'il faudra prier pour certaines choses, j'ai tant de questionnements qui arrivent, j'ai tant de choses dans ma tête, tant de questions. Et au final, non seulement on perd confiance en soi, mais on perd également confiance en l'autorité et en la puissance de Dieu. Donc notre exercice du jour est très simple. Je vais m'adresser à vous tous qui peut-être avez des choses dans votre vie qui reviennent de façon récurrente, mais vous savez à l'intérieur de vous que c'est des choses qui n'honorent pas Dieu. Et le but de l'exercice ici, c'est de faire quoi? C'est s'il y a un péché de façon consciente dans votre vie que vous pratiquez, choisissez de le délaisser aujourd'hui, choisissez de lui faire la guerre. Choisis vraiment, c'est un choix que tu dois faire. Et je sais que plusieurs personnes, vous avez peut-être déjà essayé de laisser certaines choses, mais elles sont revenues. Mais le but ici, c'est d'avoir un cœur engagé pour que cette chose ne revienne plus et de continuer encore à vous relever, de continuer encore à dire non, cette chose ne fera pas partie de ma vie, plutôt que d'embrasser le péché. La Bible dit dans Proverbes 25 au verset 19, « Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. » Vous vous dites, mais Aurélie, qu'est-ce que ce verset vient voir avec tout ce qu'on est en train de dire? En fait, ici, quelqu'un de perfide, c'est quelqu'un qui ne tient pas sa parole. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas avoir confiance en lui. C'est pour ça que la Bible parle de dents cassées, la Bible parle de pieds qui chancellent. Et en fait, lorsqu'on commet un péché, on se retrouve souvent dans cette position où, en fait, je ne peux pas avoir confiance en ma propre vie devant le Seigneur parce qu'en fait, c'est chancelant, ça boite. Et là, en fait, quand ça boite comme ça, en fait, la confiance est inexistante. Non seulement tu ne te feras pas confiance, mais tu ne feras pas également confiance en Dieu. Mais on sait que cette semaine, on veut faire confiance à notre Seigneur. Donc pour ça, bien sûr, on doit aspirer à vivre dans l'obéissance. On doit accepter de se dépouiller pour que ce soit Dieu qui vive au travers de nous. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent l'habitude de dire. Oui, je meurs à moi-même et tout. Mais lorsqu'on regarde dans les faits, il y a très peu de domaines dans lesquels parfois on accepte de se dépouiller. Se dépouiller, c'est choisir de dire que mais si Dieu dit dans sa parole que cette chose n'est pas bien, je ne vais pas commencer à contester. Je ne vais pas commencer à me dire « mais pourquoi Dieu il a dit ça ?» Non, je choisis « Seigneur, si tu dis dans ta parole que ce n'est pas bien, je te fais assez confiance pour accepter que si tu as dit quelque chose, alors je veux marcher dans cette direction-là. » Si Dieu nous demande dans la parole de ne pas nous livrer à l'impudicité, de ne pas nous livrer à la fornication et à l'adultère, c'est parce qu'il sait que c'est bien pour nous. Ce n'est pas le temps de négocier. S'il nous demande de donner, c'est parce qu'il sait que c'est bon pour nous. On n'est pas là pour négocier avec Dieu, pour rechercher qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette parole, qu'est-ce qui cloche dans cette parole, mais on est là comme des instruments, on est là comme des vases, on est là, on se positionne comme des personnes où on dit « Seigneur, voici ma vie ». Et je vous encourage à le faire aujourd'hui. On va le faire dans la prière, mais vous pouvez déjà le dire « Seigneur, voici ma vie, fais de moi un instrument d'adoration, fais de moi quelqu'un qui aime ta parole ». Parce que la Bible nous dit que la parole est comme cette épée à deux tranchants qui séparent ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Et peut-être que ton âme qui est habituée aux choses charnelles va vouloir t'amener vers la chair. Mais lorsque tu commences à dire « Seigneur, fais-moi t'aimer, fais-moi aimer ta parole, fais-moi être cette personne qui marche et dont la vie étrit ce son, cette mélodie qui t'est agréable », mais tu vas voir que la parole de Dieu va devenir quelque chose d'important dans ta vie parce que tu voudras être cette personne-là qui honore le Seigneur. Et pour savoir comment honorer le Seigneur, bien entendu, il faut connaître sa parole. Donc, méditons la parole de Dieu, ça va nous aider à délaisser le péché. Et si tu sais que tu as un défi particulier avec un péché, mais n'hésite pas, prends la parole de Dieu qui concerne ce domaine et médite parce que chaque fois que l'envie de ce péché va arriver, il y aura une confrontation. Mais si tu ne médites pas, si tu ne prends pas des temps spécifiques où tu t'assois devant la parole de Dieu pour dire « je veux vraiment que cette chose quitte ma vie, je veux méditer dans ce sujet, à propos de ce sujet, dans ce domaine », mais tu vas voir que parfois tu peux réussir à ne pas le faire, mais tu vas toujours tomber. Donc remplis-toi de la parole de Dieu et ça va t'aider à te dépouiller de toi-même. Une chose également qui peut nous aider, c'est lorsqu'on accepte de remettre en question nos acquis pour suivre la voie de Dieu.
et plusieurs parmi nous, et moi-même, je l'ai été pendant de nombreuses années, c'est que parfois on a des systèmes qu'on a mis en place pour nous protéger. On a des choses qu'on sait que, OK, ça c'est une muraille autour de nous, on a une façon de faire, on a un rythme de vie. Mais quand tu te dépouilles, en fait tu dis à Dieu, Seigneur, voici toute ma vie, je la place à tes pieds. Ce n'est pas ma propre protection qui me protège, c'est les anges de Dieu, c'est Dieu mon protecteur. Et c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Ce n'est pas tout ce que vous avez mis en place, ce n'est pas votre richesse qui va assurer votre retraite. C'est Dieu qui est le maître de votre vie, de votre existence. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas mettre les choses en place? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais au-delà des choses mises en place, il y a notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant et nos yeux sont d'abord tournés vers lui avant toute autre chose. Donc se dépouiller, c'est aussi ça, c'est de remettre en question des acquis. Même des bonnes choses peuvent devenir des choses auxquelles on s'accroche au détriment de Dieu. Donc c'est de pouvoir les remettre en question et dire, Seigneur, vraiment, ma vie est à toi. Ma vie est à toi, je vous encourage à le faire. Vous dites juste, ma vie est à toi, Seigneur Jésus-Christ, et je choisis de te la donner. Peut-être que pendant toutes ces années, vous avez pensé que oui, c'est votre fortune qui vous ouvrira des portes, c'est votre beauté qui fera la différence. Mais au-delà de toutes ces choses, il y a un Dieu. Et vous, peut-être vous vous êtes dit, je n'ai pas tous ces acquis, mais au-delà de tout, il y a un Dieu. Tant qu'on décide d'être cet instrument d'adoration, on peut marcher avec confiance. On peut se dire, ah mais tiens, tant que de ma vie, il y a une mélodie pour la gloire de mon Seigneur, alors oui, je peux marcher la tête haute. La deuxième chose que vous pouvez aussi mettre en place, c'est de décider de ne plus faire des mélanges et d'embrasser vraiment tout ce qui concerne Dieu. Vous savez, c'est tellement triste. Parfois, on lit des passages bibliques et ça fait quand même mal. Quand Dieu dit, ben, ce peuple, il m'honore des lèvres, mais en réalité, son cœur est éloigné de moi. C'est des choses qu'on n'aimerait pas que le Seigneur dise ça à propos de nos vies. On n'aimerait pas que Dieu nous regarde et qu'il dise, ben oui, cette personne, elle parle avec sa bouche qu'elle est un enfant de Dieu et tout, mais dans son cœur, ben, le cœur, il est éloigné. On n'aimerait pas que ce soit notre partage. Donc, c'est à nous de décider, je ne ferai plus de mélange dans ma vie. Je ne serai plus un pied dedans, un pied dehors. Je ne voudrais pas un peu de Dieu et beaucoup de moi ou beaucoup du monde, mais je choisis d'embrasser Dieu complètement. On peut également être comme ce fils prodigue, pas le fils de frère du fils prodigue. Et en fait, le frère du fils prodigue, il était proche de son père. Il n'était pas loin, il était proche de son père, mais c'est comme si à l'intérieur de lui, il y avait une certaine distance qui l'empêchait de jouir pleinement de tout ce qui était à sa disposition. Donc c'est comme s'il avait mis une barrière entre son père et lui-même. Et aujourd'hui, je veux aussi vous encourager en vous disant, ne serons pas comme ce frère non plus. Oui, peut-être qu'il est resté, oui, peut-être vous allez encore à l'église, mais dans votre cœur, vous êtes peut-être déjà éloigné. Peut-être que vous priez encore le matin, peut-être on vous retrouve souvent dans des choses qu'on peut qualifier de spirituelles, mais dans votre cœur, peut-être que vous n'êtes plus là. Et c'est important de faire le point aujourd'hui et dire à Dieu, Seigneur, je veux à nouveau être connecté à toi, être embrasé par toi. Je ne veux pas d'une relation entre guillemets plate, comme on dit ici au Québec, une relation qui ne porte pas grand-chose. Je veux quelque chose de fort, je veux quelque chose de vivant. Et aujourd'hui, alors qu'on décide d'être des instruments d'adoration, c'est ce type de relation qu'on veut avec Dieu. Et croyez-moi, lorsqu'on veut ce type de relation, je vous assure, il y a une soif de Dieu, une confiance en Dieu, une confiance en toi-même qui va surgir de là. Parce que quand Dieu te remplit, il y a très peu de choses qui peuvent te limiter en fait. Une autre chose qu'on peut faire également, c'est de discipliner notre âme dans la prière. Trop souvent, on se positionne dans la prière pour adorer le Seigneur, on se positionne pour l'exalter, mais l'âme est distraite. On pense à différentes choses, tu penses à la nourriture que tu vas manger bientôt, tu penses à tes vacances, tu penses à ton voyage, à tes parents, etc. Mais quand on vient dans une posture d'adoration, c'est vrai, on peut adorer en tout temps et en tout lieu, mais parfois, il y a des temps qu'on prend vraiment et on se dit, je veux passer du temps dans la présence de Dieu aujourd'hui. Quand tu te dis ça, focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur Dieu et apprends à ramener ton âme lorsque
qu'elle s'égare. Lorsque dans ta tête, il y a trop de pensées qui viennent, focalise-toi sur Dieu. Choisis de délaisser cette pensée-là, mais reviens vers Dieu. Reviens, redis ces paroles-là à Dieu jusqu'à ce qu'il y ait une percée spirituelle, jusqu'à ce que dans ton cœur, tu sentes que les choses qui étaient comme des distractions n'ont plus de place et tu peux demeurer dans la présence de Dieu. Et c'est tellement une belle présence, en fait. Et aussi, pour conclure avant de prier, par rapport à ce sujet, soupire après Dieu et Dieu lui seul. On doit être capable de regarder les autres choses comme de la boue, comme l'apôtre Paul a dit. Il a dit « Je regarde toute cette chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme la boue afin de gagner Christ. » Il y a des choses auxquelles il va falloir que tu renonces. Il y a des choses que tu dois regarder comme la boue et tu dois pouvoir te placer devant Dieu et dire « Seigneur, je te veux toi et toi seul. » On va aller prier et je crois qu'aujourd'hui, il y a une mélodie d'adoration qui va sortir de nos vies en l'honneur de notre Seigneur. On se retrouve de l'autre côté avec Julie et Gordon. Regarde-le avec ton cœur, regarde-le avec des yeux nouveaux et commence à lui dire des paroles d'adoration. Commence à l'exalter, commence à le bénir, commence à lui dire à quel point il est glorieux, à quel point il est excellent. Seigneur Jésus, oui, que de nos vies sorte un son d'adoration pour ta gloire, que de nos vies sorte une mélodie en l'honneur de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on voit notre vie, que les gens aient envie de te glorifier, qu'ils aient envie de t'exalter, qu'ils aient envie de t'adorer, Seigneur. Oui, c'est ce que nous faisons. Nous t'exaltons, nous t'adorons. Reçois notre adoration, Seigneur Jésus. Reçois notre louange, Seigneur Jésus-Christ. Fais de nous des vases d'honneur. Fais de nous des instruments d'adoration, Seigneur. Fais de nous des personnes qui élevons des mains pures devant toi. Fais de nous des personnes dont le cœur est attaché à toi, dont l'âme est attachée à toi. Fais de nous des personnes qui t'adorent en esprit et en vérité, des personnes qui ont soif de toi, des personnes qui t'aiment de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur pensée. Fais de nous, Seigneur, des personnes qui te font confiance, des personnes, Seigneur, qui ont soif de te voir, des personnes qui ont faim de toi, des personnes qui vivent pour toi, qui veulent te voir tous les jours. Seigneur, nous voici. Fais de nous des instruments d'adoration et qu'un son de louange sorte de nos vies, qu'un son d'adoration sorte de nos vies en l'honneur de notre Seigneur. Alléluia! Qu'un son nouveau sorte de toi aujourd'hui. Oh, Soé Jésus-Christ, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'élevons, Seigneur Jésus, alléluia. Yes, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, nous t'élevons, alléluia. Ta présence est là, Seigneur Jésus, ta présence est là, nous te bénissons.
bénissons, nous te chérissons, toi notre Dieu, toi notre ami, toi notre force. Alléluia. Océan, dans sa présence, il y a la joie. Dans sa présence, il y a la liberté. Dans sa présence, tout est possible. Oh, ouais, chadadada. Oh, je laisse mes anciens péchés. Je laisse mes péchés. Je laisse ce péché qui m'enveloppait si facilement. Je laisse le doute. Je laisse, Seigneur, accepte de laisser aujourd'hui. Choisis de laisser ce péché. Choisis de le délaisser aujourd'hui. Et dis à Dieu, Seigneur, je laisse cette chose derrière moi pour que ta flamme brûle dans mon cœur, pour que ma vie devienne une vie qui t'honore. Seigneur, j'abandonne mes mauvais penchants, j'abandonne mes élans naturels, j'abandonne ces péchés, j'abandonne cette vie qui ne te glorifie pas pour que ton feu brûle en moi, pour t'adorer, pour que ta mélodie sorte de moi. Est-ce que là où tu es, tu peux demander pardon à Dieu pour ces péchés que tu commets? Est-ce que tu peux lui demander pardon? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, pardon, pardonne-moi d'avoir négligé mon salut. Pardon de m'être retrouvé encore dans ce péché. Pardon, Seigneur, parce que consciemment j'ai fait cette chose. Pardon, Père éternel, je refuse d'être comme cette dent cassée, comme ce pied chancelant, parce que j'ai ouvert des portes à Satan dans ma vie. Je refuse d'ouvrir des portes. Seigneur, pardon pour nos péchés, pardon pour nos erreurs. Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu aujourd'hui? Dieu est bon, il est fidèle, il ne te rejette pas. Il ne te repousse pas. Il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si tu le fais de tout ton cœur, et si tu demandes pardon parce que tu le crois vraiment, parce que tu veux vraiment vivre cette vie avec Dieu, alors sache que Dieu t'a pardonné et tu peux te réjouir, tu peux l'adorer, tu peux lui dire « Oui, je t'adore, maintenant voici ma vie, maintenant voici mon histoire devant toi, maintenant voici mon témoignage, maintenant me voici, voici mon présent, voici mon avenir devant toi, que de ma vie sorte cette mélodie d'adoration. » Que ma vie t'honore, Seigneur Jésus-Christ, tu peux lui dire. Que nos vies t'adorent, Seigneur Jésus-Christ. Que notre histoire t'adore lorsqu'on regarde à nos vies. Que ça donne envie de dire gloire à Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Mais ta vie peut aussi la raconter. Que nos vies racontent ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Que notre histoire raconte ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Que ce qui sort de nous, que les projets que nous avons racontent ta gloire. Que le travail que nous faisons raconte ta gloire. Lorsqu'on nous regarde, qu'on a envie de glorifier ton nom. Qu'on a envie de glorifier ton nom. Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Reçois notre adoration, reçois notre louange, reçois l'adoration. Je vais te laisser quelques minutes pour adorer le Seigneur avec tes propres mots là où tu es. Adore, adore, parle-lui, 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 adore, 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 adore. Dis-lui que tu veux être proche de lui. Dis-lui que tu veux être proche de lui. Dis-lui que tu l'aimes, que tu aspires à l'aimer encore plus. Nous aspirons à t'aimer plus de toi, Jésus. Nous te voulons encore plus près de toi, Seigneur. Encore plus proche de toi, Seigneur. Nous nous détournons des autres voies. Nous nous détournons des autres choses. Nous nous approchons de toi, Jésus. Nous nous approchons de toi avec nos cœurs. Plus près de toi, Seigneur. Non pas juste dans la bouche. Plus près de toi avec nos cœurs. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous.
tu as dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Oui, nous sommes ton peuple. Nous sommes ton peuple. Nous sommes les personnes que tu as rachetées. Tu es notre sauveur, notre bien-aimé. Tu es notre Dieu. Tu nous as rachetés de la mort. Tu nous as relevés lorsqu'on était courbés. Tu nous as donné un avenir, une espérance. Et nous t'adorons parce que tu es Dieu, parce que tu l'as fait. Tu l'as fait, Jésus. Tu es mort pour nous sans regarder à ton égalité avec Dieu. Tu l'as fait. Tu nous as ressuscités avec toi. Tu l'as fait. Nous t'adorons. Adore. 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 Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous. Nous ne voulons pas être ailleurs un instant dans ta présence. Vaut mieux que mille ailleurs, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te bénissons. Tu es notre Dieu. Tu es notre force, Seigneur. Tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre grâce. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Pour nous, le bonheur, c'est de nous approcher de toi, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus-Christ. À toi soit la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage à baigner dans cette atmosphère tous les jours dans votre maison. Créez cette atmosphère d'adoration. Créez cette atmosphère où Jésus est exalté, où il est glorifié. Dites-lui que vous voulez que votre vie l'honore. Et lorsque vous faites ce type de prière, vous allez voir que même lorsque le péché va se présenter devant vous, votre vie sera comme programmée pour honorer le Seigneur Jésus-Christ. Louez le Seigneur de tout votre cœur. Éloignez les distractions, soyez focalisés sur Jésus-Christ et demeurez dans cette atmosphère d'adoration. On se dit à demain pour une prochaine émission de prière inspirée. Que le Seigneur vous bénisse.